Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fruit qui est vraiment intéressant. Un fruit que un peu de monde connaît. Donc, c'est un plaisir pour nous capables de présenter une autre vidéo. Ok, allons aller. On a parlé de Corosol. Corosol, c'est un fruit qui est vraiment intéressant, qui est vraiment bon en bouche. Donc, nous allons parler d'un petit casse de lait. Corosol, c'est une plante non scientifique, c'est Annona muricata. Donc, on est dans la famille des Annonacées. Ok, donc, si moi, rappelez-moi bien, moi, quoi, c'est un fruit dans la famille ça qui plus cultivé dans le monde. OK, c'est vraiment intéressant. Donc ça veut dire c'est un fruit qu'un peu monde connaît. Donc quoi, c'est un fruit qui est originaire nord de l'Amérique du Sud. OK, donc notamment au Brésil, au Pérou, donc ils ont cultivé culture ça en pile, mais après ça c'est une culture qui est à travers le monde donc qui est vraiment cultivée. Un pied Corosol c'est une plante qui est facile à cultiver, qui pas besoin en pile amendement. C'est une plante et quel que soit type de terre là, donc la vraiment adaptée. C'est une plante qui pas besoin et pour vraiment améliorer un sol, pour le capable à l'aise, que ce soit yon terre qui riche ou bien pauvre ou bien acide, alcalin, donc quel que soit type de sol là, donc là vraiment développé et bah ou des fruits normalement. Ok, mais ça qui est vraiment intéressant encore pour nous connaître, c'est que c'est une plante qui vraiment remet l'humidité. Ok, donc c'est une plante, c'est toutefois que vous arrosez de temps en temps, la vraiment senti et li bien. Ok, donc pas négliger arroser en culture ça, li vraiment remet humidité. Mais attention mes amis, c'est une plante qui n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Ok, donc c'est une plante qui par aimer les l'installer dans un mar. OK, donc il pas vraiment fait le plaisir. Donc c'est toutefois que on va planter culture ça assure que côté espace là, donc il pas vraiment il y a un mar qui installé là, donc il pas vraiment fait plante là plaisir. OK, mais après ça c'est une plante qui vraiment aime humidité et puis surtout les dans période mais les dans phase nuisant li, c'est-à-dire les fleurs a transformé en fruit, donc plante ça il vraiment besoin de l'eau, il a vraiment besoin pour les arroser, pour les capable développer fruits, pour les capable vraiment baou, y a un bel rendement au niveau et de production. Ok, donc c'est une plante qui peut dépasser 6 mètres de hauteur, mais si tout faut tailler taille tout, il pas de problème, on capable tailler normalement. En plus c'est une plante qui paraît mais vent. OK, c'est tout faut que on plante culture ça assure que espace là, donc il est vraiment protégé par vent. OK, parce que vraiment et n'importe gros vent capable casser branche. OK, c'est une plante qui pas toléré vent. OK, et puis après c'est une plante capable dit qui remet les lits en plein soleil. Pas oublier c'est une plante tropicale. OK, donc il remet les lits en plein soleil, mais si toutefois il a mis ombre tout, ça pas vraiment un problème. Donc l'a toujours bas ou fuit, l'a toujours bien développé, mais il remet vraiment les lits en plein soleil. Et puis c'est une plante qui reproduit très facile. OK, par des graines, griffage, marcotage. OK, donc on capable reproduire et cultiver ça très facile. OK, mais l'étape intéressant si ou si tout faut arrêter et gagner moins de temps, ou capable et greffer culture ça, donc ou capable jeune fruit sous 3 ans 4 ans, on capable jeune fruit normalement. Mais si c'est et soit commencer ça soit reproduit et plante ça par des graines, donc si c'est une graine ou pour planter pour capable gagner plante ça, donc ou capable jeune fruit 5 6 ans yo. OK, après 5 6 ans on capable jeune fruit normalement, mais si c'est griffage on capable jeune fruit dans plante ça et 3 ans 4 ans on capable jeune fruit et dans plante ça. Et mes amis, donc moi pense moi dire pile bagaille là et pour me capable terminer mon dernier bagaille que m'a dit nous qui vraiment important, et toute plante qui fait partie de Annonacées, famille ça qui c'est Annonacées, donc graines yo vraiment pas comestible. OK, donc si toutefois que ou pas manger et un fruit
cour sol. Donc pas oublier fruits, alors graines vraiment attachées ensemble avec chair là. Donc attention pour pas consommer et graines et ananas, OK? Qui que ce soit, si et pomme cannelle ou bien cachiman, OK, ou bien l'autre espèce qui dans famille ça, donc graines vraiment et pas comestible. Et il y a information qui dit que li toxique tout, OK? Donc faites attention pour ne pas consommer graines parce que c'est vraiment et pas comestible, OK? Donc pas dit non pas de connait. OK? Donc mon qui fait jus dans blender, donc faites très attention pour ne pas blender graines pendant que n'a fait jus parce que et information qui dit les toxique et vraiment pas comestible. OK? Donc faites attention. Donc c'est là m'a mettre un fin avec vidéo là, donc c'est tout fois côté remettre cette vidéo, ça pas oublier ba non petit like et puis abonner si tout fois qu'on peut faire ça, partager vidéo à bon monde pour capable pour aller et puis pour nous capable agrandir communauté qui vraiment important et puis n'a dit à la prochaine pour l'autre vidéo. OK, bye bye.